up, gens de l'internet, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le numéro 1 des personnes, parce que j'ai un abonné aujourd'hui, c'est bien sur Skill Baby, comme d'habitude, et comme je suis très content aujourd'hui, parce que c'est une nouvelle mise à jour, et vous le savez, je suis toujours le premier à faire les mises à jour, et je fais des avis, ainsi que j'explique la mise à jour. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on retrouve, donc on va parler du casino, des corrections, des bugs, et aussi des ajouts qui ont fait ça au serveur. Donc on va commencer directement par vous parler qu'il y a des infos que je sais, les amis, que je vais peut-être vous dévoiler dans le futur, mais pour l'instant je sais pas si j'ai le droit de vous en parler, mais il y a des grosses nouveautés qui arrivent sur Skill PvP et j'ai vraiment hâte au futur de Skill PvP. Soyez actifs, soyez là les amis, dès que j'ai les premières infos et que j'ai la permission de vous en parler des nouveautés qui arrivent, je vais le faire, je vous le garantis à 100%. Donc activez la cloche, mettez un like sur cette vidéo là et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'est pas abonné. Donc on va commencer avec le truc le plus important cette semaine les amis, c'est le casino. Ça fait plusieurs semaines qu'ils nous l'ont spoil. Donc c'est quoi le casino? Vous avez un PNJ ici, vous pouvez cliquer dessus et si on y arrive. Casino je crois que c'est. Non, mais en fait c'est un rush papier ciseau, j'aimerais bien pouvoir cliquer dessus, mais en fait, c'est comme un peu beaucoup de gens. Ok, attendez, je vais essayer de l'ouvrir, je vous reprends dès que je l'ouvre. Ok, donc j'ai réussi à l'ouvrir, donc on peut défier quelqu'un, donc ici on peut défier notre ami NT Marox pour une météorite, donc on va faire ça. Et qu'est-ce que ça fait là? Mais... Ouais, j'ai fait lag de serveur. Ce joueur a déjà une requête en cours. Ok, comment ça fonctionne de bord? Attendez, j'avais réussi à l'ouvrir. Mais en gros, ah, oh, voilà. Défier pour 700$. Qu'est-ce qu'on pourrait défier quelqu'un? Vous devez avoir au moins 900 de vide dans votre inventaire. Oh, oh, ok. Désolé, monsieur, désolé, désolé. Désolé, désolé. Donc, on va y aller avec une mété. Je sais pas comment créer un œuf. On va prendre une mété. Voilà, on va valider. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va nous rejoindre. Donc c'est plutôt cool, on peut gagner des items comme ça. Ne quittez pas le casino pour garder la garder active. Ok, ok. Donc je vais rester ici, je vais attendre que quelqu'un me défie. Et je vais voir comment ça fonctionne, les amis. J'ai vraiment hâte de tester ça. C'est la première fois que sur Skill PvP qu'on a un jeu gambling en gros. Donc c'est plutôt intéressant. J'espère qu'ils vont rajouter des coin flips, des trucs comme ça, genre où est-ce que tu pourras parier des items et ça va tourner un truc, ça va tourner soit un creeper ou une TNT, je sais pas, par exemple, vous choisissez et puis voilà. Donc on peut, oh vas-y, on va faire PFC, accept, vas-y. C'est quoi qu'il y a? Vous devez avoir 9 places, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, pardonnez-moi jeune homme, pardonnez-moi. Ok, voilà, parfait. Ah, vous n'avez pas de requête. Ah, merde. Et lui, il faut qu'il bette la même chose que moi ou il peut bette n'importe quoi, en fait? C'est ça que je sais pas, en fait. Je sais pas, vous devez supprimer... Non, je veux pas supprimer... Tabarnak, c'est compliqué, esti. Il n'y a pas quelqu'un... défiez-moi au casino. Ok, c'est bon. Groupe accès... non, c'est PFC accès pierre feuille ciseaux. Donc là, on a à nous de jouer. Donc, on va prendre quoi? On va prendre ciseaux. Tiens. Donc là, lui, le prix ciseau, c'est gagné. Ok, on a un à deux. Ok, on a un truc. Oh putain, c'est super bien fait. Donc là, on va prendre papier. Vu que lui, il avait pris papier, je vais prendre papier, feuille, ciseau. C'est gagné! Nice! Donc là, je crois que j'ai gagné. Normalement, je crois que j'ai gagné. Non, il faut gagner trois fois. Donc là, on va mettre encore ciseau. Je crois qu'il va mettre rush, lui. Je vais perdre cette fois-ci. Ouais, voilà, il avait mis rush. Je savais, j'avais bien prédit le truc. Donc, je vais remettre ciseau. Je crois qu'il va mettre papier pour essayer, parce qu'il pense que je vais mettre rush vu que j'ai copié son truc. Et je crois que ça va être gagné. Oh non, lui aussi il avait mis ciseaux. Donc lui je crois qu'il va mettre papier parce qu'il croit que je vais mettre ah ok, c'est bon. Regardez, je vais remettre ciseaux et... Encore... Oh, il a la même stratégie que moi, il a la même stratégie que moi, ce petit bâtard. Vas-y, je vais mettre rush. Lui va mettre, c'est sûr qu'il va mettre papier. Ah, je le savais, je le sentais tellement, les amis, là, je le sentais tellement. Oh là là, je vais pas perdre ma mété, donc on va y aller avec rush encore. Je crois qu'il va mettre ciseaux, donc j'espère gagner, les amis. Et c'est gagné, je le savais, les amis. Donc là, j'ai gagné les trois trucs verts, donc qu'est-ce qui arrive, c'est quoi que je gagne? Je gagne une mété, nice, GG. Gros, what the fuck, on gagne ce qu'on parie, en fait. Vous avez reçu les items. Oh putain, il y a tellement des trucs intenses qu'on peut faire avec ça, les amis. Oh my god, il y a tellement des trucs intenses, ça peut devenir vraiment intéressant ce casino-là. J'ai hâte de le tester plus en vidéo, je vais faire une vidéo genre où on va pouvoir essayer de commencer avec, j'ai pas, un petit acide, essayer de monter des trucs plutôt intéressants. Donc ça va être vraiment intéressant comme vidéo. Donc ensuite, niveau des nouveautés, il y a un random book.
Donc je sais pas c'est quoi exactement random. Non, il y a pas de, c'est pas dans le wiki, mais ça dit qu'il y a un random book. Vous faites clic droit pour l'utiliser et obtenir un enchantement aléatoire. Donc je sais pas si c'est vraiment utile. Bon, il y a déjà l'étape d'enchant, donc voilà. Modification et amélioration de l'X-ray. Donc voilà, l'anti-X-ray, correction d'un bug où on ne devait pas enchanter une farm tool. Ok, ajoute un cooldown plus élevé sur les potions de réparation en garde faction. Donc ça c'est cool parce que ils sont passés de 4 minutes à 5 minutes ou 6 minutes. Donc ça c'est beaucoup plus long, donc ça c'est beaucoup plus cool. Ajoute du pierre, feuille, ciseaux disponible au ok, ça on a parlé. Modification sur les barrières, vous utilisez une... Ok, donc les barrières en fer maintenant on peut perdre à travers, si c'est ça que ça veut dire. Donc ça c'est plutôt intéressant, ça veut dire anti-trap, etc. Les prix de la loterie, donc c'est rendu 500, ça fait quelques temps que c'est comme ça. Mais on a quand même mis dans le bloc, mais maintenant c'est 500 pour la loterie, comme ça les montants sont plus élevés, donc ça c'est intéressant. Correction de bug sur l'orbe de repair, correction sur le correction d'un bug où ce qu'un joueur pouvait rester dans l'arène, et correction d'un bug où ce que tu pouvais avoir une épée dans l'arène et tu pouvais tuer tout le monde durant un gambling, etc. Ça c'était vraiment difficile. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont ragé, etc. quand ils sont ça. Et le dernier truc, c'est une correction d'un bug avec l'utilisation des perles dans les zappés. Donc ça, c'est fait, les amis. C'est pas mal tout pour la mise au jour d'aujourd'hui. Je suis vraiment content. Je trouve ça vraiment bien fait, le système de casino. Donc je vais aller en faire une dernière pour la route. Qu'est-ce qu'on pourrait bien parier? Est-ce qu'on reparie une métée? Vas-y, on va reparier une métée, les amis. Non, vous savez quoi? Je vais parier un space. Comme ça, si je gagne, je peux faire des bots space. Mais si je perds, j'aurai juste à acheter 4 pépites de métée pour crafter le truc. Donc on va retourner, on va aller parier un space, les amis. On va terminer la vidéo avec ça. Voilà, et on va créer notre offre, on va faire un space, on pourra pas rajouter d'argent, non, je sais pas. Donc voilà, on va faire un space, on va voir s'il y a quelqu'un qui veut nous rejoindre, et je vous reprends dès que quelqu'un nous rejoigne. Oh, on a une demande, donc, c'est contre qui? Contre Gunouille, PFC accepte. C'est parti, bonne chance mon ami, je vais y aller avec directement le ciseau, donc j'espère... Égalité, lui aussi a mis les ciseaux, donc lui a mis les ciseaux, je pense qu'il va y aller avec le papier cette fois-ci. Donc, il va peut-être penser que je vais mettre la roche. Ciseaux, c'est gagné. Je le savais, les amis. Je le savais, putain. Ok, c'est bien. Donc là, il va mettre... je crois qu'il va remettre papier en croyant que je vais mettre la roche. Donc, je vais y aller pour ciseaux cette fois-ci. Égalité. Oh, j'aurais pu y aller avec la roche. Donc, je vais y aller avec le papier. Parce que je crois qu'il va mettre la roche pour essayer de me tuer. Et voilà, je le savais! Je le savais, putain! Je lis trop bien le truc! Donc là, je vais remettre papier, en fait. Non, savez-vous quoi? Je vais mettre ciseaux. Je vais mettre rush parce que lui, il va mettre ciseaux, je crois. C'est perdu. Non, il avait mis papier. Bien joué à toi, gros. Bien joué à toi. On va y aller avec... Il avait mis papier. Donc, si on met papier, ça, il va peut-être mettre rush. Vas-y, on va mettre papier. On va voir qu'est-ce que ça donne. Oh, putain! Je suis sur le bord de perdre, les amis. Donc, il a mis ciseaux. Je vais mettre... vas-y, je vais mettre ciseaux. Oh, non! J'ai perdu, l'ami Roche. J'aurais dû mettre papier. C'est pas grave, les amis. C'est pas grave. Oh là là, GG. C'est pas grave. En plus, j'ai une avance de 2-0, je crois, un truc comme ça. Oh là là, bien joué à lui. C'est pas grave, c'est les choses qui arrivent, les amis. Donc, bon, j'espère que cette nouvelle mise à jour sur SkillPP va vous faire plaisir. Je vous aime. C'était Icons. Ciao, ciao.